Ashvi, il nous dit le Rav, il y a 9 halakim, 9 morceaux de selon le sheker. Char à sheker, on est maintenant, selon le mensonge. Le mensonge, tu divises en 9 parties. Maintenant, on est dans la 7e. Un homme qui trompe son ami, Amate Havero Lomar, qui asa imo tova, odiber alav tova. De lui, il fait tromper son ami. Pourquoi tu fais tromper ton ami? Comment? Le fait qu'il dit, voilà, moi j'ai parlé vers le patron, et Baruch Hashem, il t'a monté de grade. En fin de compte, il savait qu'il était long, hein. Il est monté de grade. Mais lui, rien qu'il lui dit, grâce à moi, Baruch Hashem, en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu as trompé ton ami. Velo asa, en fin de compte, tu n'as rien fait. Velalze, amrou, rabotenu, zecham, vacha, les chachaim, ils ont dit, asul, ignov, da, tabriot, c'est interdit de voler. Le da'at, l'attention des gens, même d'un goy, a filou da'ato shel goy, on n'a pas le droit de voler. Da'ato shel goy, et je vais zéhet, il y a un péché, un homme qui l'a volé maintenant, en fin de compte. Il faut savoir qu'on est censé à se comporter comme à Kadosh Baruch Hu. Il y a les 13 midot. Quel rachum vechanun erech apayim velav hesed vemenu tse hesed alafim nous avons la fèche avachata'a venake. 13 midot comme Akadosh Baruch Hu, parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, quand Am Yisrael y fot, yasu 13 midot vani mohan veni sorhan, que Am Yisrael y font les 13 midot et Akadosh Baruch Hu il pardonne. Mabchat que Am Yisrael ils font les 13 midot. Par contre, dans cela, il y en a qui veut dire qu'il faut se comporter des 13 midot à Akadosh Baruch Hu, il va. C'est ça que de faire. Il y en a qui disent que non, hein, tu dis, il va y avoir Hashem al panav tous les jours. Ken, on dit ça et pendant non, les jeudis, pendant les séances, tous les jours. Tous les jours, à Mincha, Shachrit. Exactement. Mincha, Shachrit, tous les jours, on dit ça. Le lundi, le jeudi, on dit trois fois. On dit plus, c'est ça. Hon? Et c'est Hot, en plus, on rajoute tous encore. Les jours. Et, là, et alors, où tu le dis, où tu te comportes. Alors, de toute façon, hein, il faut savoir se comporter comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Chotamo Emet. Le sceau d'Akadosh Baruch Hu, il est Emet. Ken? Ki anu chayabim le daver divrei Emet. Que nous, on est obligés de parler Emet. Parce que ça, c'est le Yesod. La fondation, c'est le Emet. C'est le saut de Kadosh Baruch Hu, c'est Emet. Comme on dit sur Nabal HaKarmeli. Nabal HaKarmeli, lui, il a été le roi Achav. Qu'est-ce qu'il a fait, le roi Achav? Il a pris son champ, Sabine. Vient avec Izebel. Izebel, elle a fait toute. Elle a tué. Comment elle a tué? Elle a mis deux témoins Sheker. Ils ont témoigné que lui, il s'est mal comporté. Et tous ces biens, lui, sont partis chez le roi Achav. Pourquoi? Parce que le roi Achav, lui, voulait Sabine. Et Nabal HaKarmeli, lui, il ne voulait pas le vendre au roi. Maintenant, il est monté en haut. Il a demandé vengeance. Il voulait se venger. Alors, Akadosh Baruch Hu a dit, bon, on va se venger. On veut que Achav, lui, il va mourir. C'est un grand guerrier. Lui, Achav, le roi, il gouvernait tout le monde entier. Tout le monde entier, comme ça dit la Gemara. Maintenant, on veut que maintenant Achav, lui, il va en guerre. Et après qu'il va en guerre, là-bas il meurt. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie un Nevi Sheker. Et que le Nevi Sheker, lui, il lui fait en sorte que c'est bon, tu vas gagner la guerre. Lui, il va en guerre, il meurt en guerre. Alors, il faut qu'il parle. Il y a un souffle, il y a un courant d'air qui passe. D'où il vient ce courant d'air? Il vient d'en haut. Il a dit, qui c'est qui veut descendre en bas et influencer Achav qui va en guerre? Nabal HaKarmeli, il a dit, moi, c'est-à-dire l'esprit, le Ruach de Nabal HaKarmeli, il a dit devant Akadosh Baruch Hu, moi je descends pour tromper Achav. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? C'est. Ça veut dire quoi? Sors. Alors les Mfarchi me posent la question, qu'est-ce que ça veut dire? C'est. Dis l'air. Pourquoi tu ne dis pas va? Pourquoi tu dis c'est? Ils disent les Mfarchim parce que Akadosh Baruch Hu, son sceau, c'est Emet. Et puisque son sceau, c'est Emet, pourquoi? Maintenant, il va quand même, Nabal HaKarmeli, il va être un
un menteur va descendre en bas et il va trébucher qui Ahab, c'est un mensonge. Alors que le Bouchi dit, je ne veux pas que tu restes une seconde à côté de moi. Un mensonge, je ne veux pas une seconde. C'est Mimahit Sati. C'est de l'entour de moi. De mon entourage. De mon entourage, exactement. Ashmini, Amishtamer, Marot, Shenam, Nitsaot, Bo, Ashmini, le huitième, c'est quoi? Que lui, il se glorifie des Mahalot, des Mahalot à Kavana. Des choses, des qualités soi-disant qu'il n'a pas. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis ça, je fais ça. En fin de compte, c'est rien, rapidement, il ne fait rien du tout. Et il n'y a rien du tout. Mais Zéou Het Gadol, et ça c'est un Het très grave. Mamash. Mais la filo imaya emet, même si maintenant c'était emet, qui kshem italem nira mitvarav shelo asat sidkotab le shem shamaim ela le shem atzmo velit hila. Parce que quand maintenant un homme il se glorifie, ça veut montrer que quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien pour toi-même, pour qu'on te glorifie du matin jusqu'au soir. C'est vrai, de nos jours. Toi, un homme il dit alors c'est mon clan, si c'est ça. Alors je ne vais pas maintenant moi, hein, ok? Quand je vais parler aux gens, je ne vais pas les glorifier. C'est faux ça. Toi, tu fais aux autres, qu'est-ce que tu dois faire? Mais non. Comment toi, tu dois te comporter, c'est autre chose. Ça veut dire que toi, tu vas te comporter, tu ne vas pas te glorifier, mais glorifier les autres pour leur donner du courage, là, oui, tu es obligé, tu es censé. Il faut séparer les choses. C'est-à-dire, toi, tu es censé à glorifier les choses. Quoi, là, quand ton fils, il a eu une bonne note. Papa, regarde, j'ai eu dans les Mifrans, j'ai eu 90. Ah, c'est bon. Tu mets de côté. Ça, tu l'as tué, le fils. J'ai mis mort. Qui te chute. Les gens, ils ne savent pas. À la fin, quand l'enfant, il va grandir, il va dire, oui, papa, il ne même pas me considère. Je travaille dur et sec, matin au soir, pour avoir des bonnes notes. Papa, il ne me prend même pas en considération. C'est notre problème de la génération, on n'a pas le temps. Quand je vous dis, maintenant, franchement, on n'a pas le temps, les gens, ils n'ont pas le temps. En Israël, encore plus grave, les gens, ils n'ont pas le temps d'arrêter devant au feu rouge. Hachem Mishmo. Alors les gens, Bezot Hachem, quand on prend en considération tous les midot, qu'on doit, Bezot Hachem, nous corriger, là, on pourra, Bezot Hachem, arriver... être parfait, Bézot Hachem. C'est Mizakenu. Il nous dit le Rav. Ve'amru rabotenu zichonam livracha ki shemechabdim oto shem sovrim shiyodea shte masachtot vu lo yodea rakachat. Chayav lomar lahem. Quand un homme lui dit, Baruch Hashem, tu connais le chasse par exemple, tu connais deux masachet. Et lui, en fin de compte, il connaît rien qu'une. Tout de suite, il doit dire, mais putain, je connais rien du tout. Moi, je connais même pas une masachet, je connais une masachet Gemara. Je connais une Gemara. Et encore. D'accord? Pourquoi? Il doit tout de suite leur dire, parce que sinon tu mens. Hayav lomar eni yodea rak ahad, kol sheken shasur lo lechazer velitpaer bemalot she'en bo. Plus forte raison qu'un homme, lui, il n'a pas le droit de se glorifier devant les gens dans les qualités qu'il n'a pas. Jamais, on est tous tordus. On est tous un plus que l'autre, ou un moins que l'autre. On est déboussolés. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On est là ici pour apprendre. On est là ici pour apprendre. Ok?